bon Dieu. Allez, c'est parti. Tout le monde va bien, c'est bon? Ouais, c'est carré. Carré. Moi, mon préféré, fais le rectangle. Eh, je veux pas faire le lourdeau, hein, mais je voulais te dire. J'étais encore derrière toi quand... Tu me reparles une nouvelle fois de mon cul, je t'aplatis tellement à la gueule que tu vas très vite ressembler à un salami périmé. C'est bon pour moi, tout va bien. Ça marche. Alors, comme vous voyez, toute l'oseille se trouve derrière ce coffre blindé en acier fortifié. Il est verrouillé avec plus d'une quinzaine de serrures différentes et qu'il faut désactiver à l'aide de codes que Cynthia va rentrer sur l'ordi. Dès que c'est fait, il va falloir... Et non, rien. Eh, je teste que parfois ça marche avec mon frigo, tu sais. Il y a une sorte de ventouse derrière. Et quand tu tapes bien fort, mais ça se décoince. Mais là, je sais pas si c'est le même système. Non, c'est pas le même. C'est bien ficelé ce machin. Hein. Ok, bon, j'arrive un peu à saturation moi là. Tu m'étonnes. Avec des débiles qui comprennent pas qu'il faut plutôt tirer que de frapper comme un dégénéré. Attends, je vais t'aider. Une fois, j'ai ramassé mon oncle tout seul quand il était bourré à la fête foraine. Oh, c'est gentil, merci. Attends, juste mets plus tes mains, ouais, là, parce que après sinon ça me fait trop d'équilibre. En fait, tu devrais prendre ta prise plus large, là, tu vas te flinguer le quadriceps. Oui, bon, on échange, allez, j'en même peut-être qu'on aura un peu plus de poignets. Sandrine, tu veux pas que je mette à chercher les codes pendant ce temps? Hein? Si. Ouais, je vais m'asseoir un petit peu. Allez, t'inquiète pas, c'est bientôt fini. On va nous trouver les codes et on sortira avec la thune. Là, vas-y, t'agrippes ma tête. Voilà. Et tu me balances d'un coup sec, t'inquiète pas, j'ai le crâne solide. Ouais, ça mettrait la meilleure solution, là. Allez. C'est des bons gars. Ils sont motivés. Ils sont naturels, mais... Ou alors peut-être qu'il faut le surprendre, c'est psychologique. Tu fais semblant de passer à côté, et puis... Blam, tu tires. Ok, je crois qu'il a compris la technique. Il est plus habile que ce qu'on pense. Bientôt, tu les verras plus, t'inquiète. Ok, ça y est, j'ai fini. Bon, dernière fois, le coup de pied du frigo, parce que bon, là, je... Ah! Alors! Comme quoi? Moi j'ai toujours dit, tu veux jouer au con? Tu veux jouer au con? Attends, je vais être plus con que toi moi. Un peu simplé, c'est vrai, mais bon, ça a le mérite de fonctionner. Oh là là! Alors, t'es fier de nous un peu ou beaucoup? Je propose qu'on passe à la suite du plan. Eh bien super! Apparemment, ça arrache ta gorge de dire merci. Oh ben je l'avais dit, hein, c'est madame, je sais tout, de toute manière. Wow! Allez, on suit le reste du plan maintenant. Elle allait me décagner la gueule ou c'est moi là? Archie pas, t'es qui? Toi t'es inspecteur Colombo peut-être? Ah, je te trouve dur là, c'est vrai qu'on aurait pu croire que... Que tu veux que je te bombe? Non, puis c'est vrai, faut laisser le bénéfice du doute. Ouais, calme-le bien ton doute s'il te plaît. Bombe, Sandrine! J'oublie pas l'objectif moi. Allez, on n'est pas en colo, on y va. Heureusement que je suis là pour cadrer le truc quoi. Bon, sacré, il y a des capteurs infrarouges partout. Et le bouton pour les désactiver se trouve dedans. Mais si on en touche un, ça va déclencher l'alarme et les flics sauront qu'on n'est pas remonté à la surface. Et comment qu'on fait? Va falloir quelqu'un de sacrément souple qui se faufile entre les capteurs. Non, alors, je pense qu'on va faire autrement. Tu vois le bitonio qui est là-bas? Je pense que tu peux... Je ne pense pas avoir demandé ton avis. Non mais je te proposais juste... Hop là. Je te propose d'arrêter de proposer. Et du coup, qui y va? Bon, qui est le plus agile d'entre nous? Ah, je suis raide comme un piqué, tout pareil. Raide comme une sauterelle. J'ai jamais fait de sport de ma vie, wesh. Là même, je suis éclaté. Moi, j'ai fait de la gymnastique pendant 5 ans. Bon, y'a vraiment personne qui veut le tenter, là? Moi, vraiment, si j'y vais, ça va merder. En plus, je vais grave en vouloir. Je vais bouder après, je me connais. Ah ouais, ça pue pour moi, ça. Moi, on m'a toujours appelé l'anguille. Vraiment, mais personne ne veut. Non. Non, c'est chaud. Bah, fille, moi. Putain, ça fait chier, on est bloqué, là. Eh oh, on était près du but, bordel. Sandrine, je crois, Damien, il peut. Ou alors, peut-être une bombe artisanale pour faire péter les capteurs? Oh, je sais pas, ça va faire trop bruit. Oh, la vieille! Y'a le débilos qui t'a dit qu'il allait le faire! On repart? Hein? C'est pas au final quelques millions? Des billets, mais quoi? Juste. Beaucoup? Bon, alors. Wow, t'es bouché du cul ou quoi? Oui, bon, ça va! Damien, tu te sens d'y aller? Oui. Non? Si? Non. Si? Non? Si? Non! Pourquoi je suis pas allé au catéchisme, moi, merde? Bon, allez, vas-y, mon grand. Où ça? C'était une blague, les bolos. Ok, super, Cynthia. Tu continues à me désactiver toutes les serrures des coffres, s'il te plaît. Allez, vous prenez tout et on se barre, bordel. Oh, putain, oui. Oh, yes.
Wow. Yes. Oh putain, mon colon. Oh putain. Yes. Oh là là. Oh l'odeur des bébés. Oula. Qui a fermé la porte? Ah si. Elle est fermée là, putain. Putain. Allez. On a pas mal rigolé aujourd'hui. Hein? Ouais. Si. On a rigolé, oui. Dites-moi qui c'est maintenant? Oh bah, tu peux me regarder, hein. Quand je mens d'habitude, je transpire du nez. Là, j'ai une narine toute sèche. Dites-moi qui c'est maintenant. Dites-moi! C'est moi. Hein? Qui c'est qui a réussi à parler sans ouvrir la bouche, là? C'est moi. Wow. On a un ventriloque dans l'équipe, maintenant? Super. On ne me reconnaît pas. Un ventriloque qui vient du plafond, oui, mais non, mais moi, ça y est, j'ai des rails complets, là, je crois. Ça va? J'ai du dafalgan pour les maux de tête, si tu veux. C'est qui, ce nigo? Le seul moyen que vous avez pour sortir de là est de me filer tout l'argent que vous venez de récupérer. Il passe que je me suis cassé le cul à tout organiser, là, pour... à participer pour refiler la caillasse au dernier moment, lui. Il est pas un peu fou, lui, hein? Il veut pas qu'on aille s'occuper de lui, l'autre fion? Non. Qu'est-ce que tu fais? Je viens pas avec toi, moi. Hein? Ah non, mais moi j'ai dit ça pour intimider, hein. S'il existe trop, moi je vais le laisser faire, hein. Moi, il y a une voix qui vient du plafond comme ça, ça sort de nulle part, je sais même pas d'où ça vient. Bon, ben, je vais venir avec Célestin, moi. Il va voir de quel bois je me chauffe. Non, c'est bon, laisse tomber, je vais venir tout seul. Je crois que t'as pas compris. On va arrêter de te donner, ventriloque de merde. Et t'es pas ventriloque, mais tu me fais chier dans tous les cas. Dans ces cas-là, j'envoie des photos des caméras de surveillance à la police qui montrent que vous êtes actuellement dans le coffre. Ou alors vous me donnez l'argent et vous avez encore le temps de vous échapper par les souterrains. Oh, là, il y a dilemme, hein. Faut avouer, monsieur est joueur. Monsieur aurait-il déjà joué au poker pour maîtriser l'art du suspense comme ça? Ah ben mon gars, fait me la foutre dès le premier jour, ça, là. Ah ben là, chapeau, bien placé, hein. Ouais, les phalanges. Ah, je voulais pas y être. Bon, ouvre la porte, là. T'as même pas les couilles de venir ici pour nous prendre l'argent toi-même. Bâtard, va. Enculé, va. Ouais, non, t'as raison. Enculé, c'est mieux, c'est plus joli. Enculé, va. Ouais, c'est mieux. Elles sont où, les armes? Ouais, donne-moi l'arme, t'as raison. Non, elles sont où? Elles sont dehors. Yes. Les petits potes là. Dites-moi, ça fait quoi? Martin? On vient braquer la banque du cul sans moi ou quoi? Et qu'est-ce que tu fous là? Je devrais plutôt dire, qu'est-ce que je fous là? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, non. Plutôt, qu'est-ce que tu fous là? Ben non, oui. Non. Eh ouais, je suis là. Pourquoi? Oui, voilà. Parce qu'il semblerait qu'on m'ait un peu oublié dans l'histoire, là. Ok, donc je me fais braquer par un mec qui porte des claquettes chaussettes, wesh. Ah, je pue sa mère. Mais comment t'as su qu'on était là? Oh, ben disons que comme j'ai vu que j'étais pas convié autour de la table, je me suis dit que j'allais ramener mon petit cul moi-même. Bon, bonjour tout le monde. Vous savez pourquoi vous êtes ici? On va pas tergiverser. On veut récupérer ce putain de pognon. Alors on va passer par... Mais t'es malade, hein, mon pauvre. Je t'avais envoyé un mail pour faire partie de l'équipe et t'as jamais répondu. C'est cela, ouais. Regarde, rien du tout. Regarde tes spams. Ok, ouais, mais t'as pas insisté pour avoir mon numéro alors que t'aurais très bien pu m'appeler. Oui, bon, après t'es pas non plus celui que je préfère. Bon. Ah, tu vois? Pris la main dans le panier à pissenlit. Oui, enfin j'en ai déjà un qui me relue que le cul sans arrêt, j'ai pas envie d'en avoir un second. Hein. C'est vrai qu'il est pas mal ton petit cul. Oui, mais voilà. Bref, envoyez-moi le fric, les losers. Attends, avant que tu partes, j'ai une question. Comment t'as fait là-bas au plafond là? J'ai travaillé 2 ans comme concierge ici, je connais tous les accès au micro. Ah ouais, d'accord, ok, capiche. Ouais. C'est des trucs que tu fixes au plafond quoi, et tu les fixes avec quoi? Oh ben là, t'as des vis de quoi? De 25 sur chaque haut-parleur, je pense? On s'en fout de ça, putain! Et qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Ça aussi, on s'en balance là! On est en train de se faire dépouiller, bande de schtroumpfs! Je sais pas. Peut-être m'acheter un yacht? Comme ça, qu'est-ce que ça fout avec le cul sur le yacht, là? On a mis les grands moyens ou pas, là?
Hey yo les petits potes, dites-moi ça fout quoi. J'vous invite sur mon yacht, j'ai pas le temps, mamma mia. Hey yo les petits potes, dites-moi ça fout quoi. J'vous invite sur mon yacht, j'ai pas le temps.